J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Bienvenue, chers auditeurs, sur les ondes de Terre-Terre Lorrain, sur les ondes de la web radio Radio Lorraine Enragée. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Salut à tous les curieux de la musique. Servez-vous un verre. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Une chèvre alpine, donc marron, des propos de blanc, eh ben, elle s'intègre pas. Une radio mettant en valeur les notions d'enracinement. Quelle est l'identité lorraine ? Déjà, c'est l'histoire. On a des lieux, des hauts lieux. En fait, c'est des images. Voilà. Bonsoir ! C'est un génie ! Ça sent bon la France, hein, il faut quand même le dire. On ne veut pas des fachos. C'est-à-dire, ben voilà, tout simplement, c'est une personne qui voulait venir ici. Ferme ta gueule ! C'est bon, t'es chez Radio Lorraine Enragée, mon gars, t'es pas sur France Bleu. Nous savons que nos contemporains portent en eux une colère et une rage qui grandit. L'identité lorraine, c'est d'abord, effectivement, ou un héritage ou une somme d'héritage. La République, chez moi ! Tu dirais un vendeur de jeans à une jambe, quoi. Et tu vends du rêve, hein, tu vends du rêve. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Nous proposerons donc de porter en nous cette rage pour expliquer, décrypter du mieux possible la modernité qui est la nôtre. C'est là pas où on réveille et... doux et gentil. Voilà. C'est là vraiment... Par la violence. Exactement. Vous avez entendu, chers amis auditeurs, c'est unique, c'est beau, c'est en Lorraine. Je crois savoir qu'il est interdit de parler de cactus chez les Esquimaux. La vie commence toujours demain. Au les cœurs et... Au les cœurs. Vive la France. Vive la France. Alléluia.